coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, ben voilà, je l'ai terminé, mon fameux Diamond Painting de chez Easy Craft Art. Le fameux bouquet de fleurs bleues. Et comme je vous le disais, fur et à mesure que j'avançais, que j'étais pas, enfin que j'étais déçue, voilà. Et voilà, je suis déçue. C'est bête parce que je peux pas vous montrer la photo, en fait, comment elle était la photo. Ça fait sur la photo, ça fait très joli, mais en vrai, franchement, voilà. Je vais mettre le lien, hein. Peut-être qu'il y a des gens quand même qui aiment bien. Donc, dans la barre de description de la vidéo, je vais remettre le lien vers la boutique. Parce que par contre, il y a d'autres Diamond Painting que j'ai adoré chez eux. Hein. Il y a plein de jolies choses. Hein. Et entre autres, les Gorgeous. Là, j'en ai une à faire encore de Gorgeous. Donc, voilà. Et c'est juste celui-là. C'est trop de bleu. Voilà, moi... Voilà, trop de bleu, tu le bleu. Dans la présentation, en fait, il y a du relief. En fait, les fleurs, elles ressortent en relief. Hein, tandis que là, en fait, c'est tout plat. On ne distingue pas vraiment. En fait, c'est... Il faut vous dire que le bouquet, en fait, c'est comme si c'était un petit peu comme un bouquet de d'anémones, de choses comme ça. Hein. Et avec des, à chaque fois, elles ont au moins 6 ou 7 pétales. Et vous voyez, on ne distingue même pas les pétales, en fait. Voilà. Ici, normalement, ça, c'est une fleur avec 6 pétales dans les mauves, hein. Ouais, dans les violets un peu. Vous voyez, ça rend pas du tout. Vraiment, pour celui-là, je dois avouer que je suis assez déçue. Voilà, je suis assez déçue. Ouais. Si je m'étais doutée, ne serait-ce qu'une seconde, que le rendu allait être comme ça, eh bien, je ne l'aurais pas pris. Voilà, parce que c'est quand même du boulot. Et ouais, non, je... Voilà, je trouve qu'on ne distingue pas assez le vase. Bon, ok, il est là, mais non, on ne distingue pas assez. Donc, voilà. Voilà, j'ai fait ma vidéo. Je vous ai dit, je vous avais promis que j'allais vous le montrer finir. Donc, voilà, il est fini. Et je suis bien contente de l'avoir terminé. De tous ceux que j'ai fait jusqu'à présent, c'est celui que vraiment, bah, je ne suis pas vraiment satisfaite, en fait. Je suis déçue. Voilà. Donc, mais bon, c'est peut-être parce qu'il y a trop de bleu et moi, enfin, voilà. Je sais pas pourquoi je l'ai pris, en fait. Enfin, si, je sais, quand je vois la photo, là, elle est sur mon ordinateur, je la vois, la photo, et là, franchement, oui, je vois pourquoi je l'ai choisi. Mais le rendu n'est pas du tout pareil que sur la photo, donc, voilà. Bah, écoutez, voilà. En tout cas, pour ceux, s'il y en a à qui ça intéresse, malgré tout, je vais mettre le lien de la boutique et le lien vers ce bouquet de fleurs. Voilà. Et puis voilà, je vous ferai une autre petite vidéo quand je commencerai toujours de chez eux, ma Gorgeous. Voilà, ma Gorgeous, et elle, je suis sûre qu'elle sera magnifique. Mais voilà, je ne vais pas la commencer tout de suite. J'ai un autre painting, mais je vous ferai une autre vidéo puisque ce n'est pas du même endroit. Donc voilà. Donc là, cette fois-ci, moi, je vous parle que de Easy Craft Art. Et voilà, et du coup, je vais vous laisser. Voilà, voilà. Hop. Est-ce que on... Voilà, je vous dis, c'était vraiment, vraiment une toute petite vidéo. Voilà. Pour ceux qui aiment le bleu, c'est pas que c'est pas un truc, mais moi, voilà, je m'attendais pas à ça. C'est pas... je suis déçue par rapport à ce que moi, j'avais vu. Voilà. Donc, allez, n'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire, et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.